Je vois mon visage à la une du JT. Tous les soirs, mon nom est partout. Le nom que porte ma famille, ma maman, ma femme, ma sœur, ma fille, mon fils, qui eux non plus n'ont jamais mérité cela. In tears, as this Belgian MEP describes his life since he was accused of being involved in the corruption scandal that has rocked the European Parliament. Marc Tarabella is awaiting trial, but the Belgian authorities decided to release him from his obligation to be under electronic surveillance. It's a status he's taken advantage of to explain his version of events, from the unexpected search at his home to his days in jail. Des policiers nombreux arrivent à la maison, accompagnés du juge d'instruction et de ma présidente d'assemblée, Madame Metsola, pour une perquisition. Je suis stupéfait, abasourdi. Ma femme et mon fils sont sous le choc. Les policiers me disent qu'ils doivent procéder à la perquisition. Ils m'expliquent qu'ils cherchent de l'argent liquide, voire des objets de luxe. Je ne comprends pas quel argent, je n'ai rien à me reprocher. Et puis c'est l'horreur. Je passe plusieurs mois en prison. La prison, c'est pas facile. C'est pas facile pour un coupable, mais encore pire pour un innocent. He also says he feels betrayed by a man he considered a friend, accused former MEP Pierre Antonio Panzeri, who's cooperating with the police, giving them a lot of information. Tout ça sur la seule base de dire d'un homme qui aurait admis par la suite être à la tête d'une organisation criminelle et qui a jeté mon nom en pâture pour espérer ne pas être dévoré. On a tous un jour été déçus par un ami qui vous a menti. According to the Belgian MEP's lawyer, Tarabella will have to respond to any police checks, not leave Belgium without prior agreement, and avoid contacting the other people charged in the case. All six of them have been released from jail and are awaiting trial.